Bonjour mes chers enfants, bienvenue à Madarsanet. Aujourd'hui, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre sur l'alphabet? On a déjà appris toutes les lettres de l'alphabet, mais aujourd'hui, nous allons apprendre les voyelles et les consonnes. Mais quelles sont les lettres voyelles et les lettres consonnes? En fait, pour bien comprendre, les lettres de l'alphabet en français sont divisées en deux groupes, les lettres voyelles et les lettres consonnes. الحروف الفرنسية مقسمة إلى مجموعتين. Les lettres voyelles et les lettres consonnes. Alors, quelles sont les lettres voyelles et les lettres consonnes? On découvre ensemble. Vous êtes prêts? On commence. Les lettres voyelles. On a A, E, I, O, U, Y. On répète. A, E, I, O, U, Y. On a 6 lettres de voyelles. On a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et le reste de l'alphabet sont des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Les lettres voyelles sont A, E, I, O, U, Y. On a 6 voyelles et le reste sont des consonnes. Les lettres voyelles. Quel est le rôle des lettres voyelles? Les lettres voyelles aident à prononcer les autres alphabets. Aide à prononcer les lettres consonnes. مهمتهم المساعدة على نطق الحروف الأخرى وتشكيلها. C'est comme en arabe. حرف الألف وحرف الياء. التشكيل, التنوين. Les lettres voyelles aident à prononcer les autres lettres, les lettres consonnes. Par exemple, mitel, amina, amina. Les lettres voyelles sont a, I, A. On a 3 voyelles. A, I, A. Amina. Les lettres voyelles aident à prononcer les autres lettres. Un autre exemple. Omar. On a 2 voyelles. O, A. Omar. On passe maintenant aux lettres consonnes. Les lettres consonnes sont le reste. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ne pouvons pas prononcer ces lettres sans utiliser les lettres voyelles. لا يمكن نطق هذه الحروف من دون استعمال les lettres voyelles. Maintenant, on va répéter ensemble les lettres voyelles et les lettres consonnes. Concentrez avec moi, c'est facile à apprendre. Les lettres voyelles sont A, E, I, O, U, Y. On a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et le reste sont des consonnes. Répétez avec moi. Les lettres voyelles, on a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Le reste sont des consonnes. Maintenant, on va faire un petit exercice pour bien comprendre. Là, on a un arbre qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Et on a 2 paniers. Un panier des voyelles et l'autre des consonnes. On va mettre ensemble les lettres voyelles dans le panier des voyelles et les lettres consonnes
dans le panier des consonnes. Alors, quelles sont les lettres voyelles et quelles sont les lettres consonnes? Allez, on commence. Les lettres voyelles, qu'est-ce qu'on met dans le panier des voyelles? Quelle est la première lettre des voyelles? Ah oui, très bien, A. Allez, on continue. Le deuxième. Je pense que c'est J. Non, E. Bravo. Le troisième. On a 6. Il nous reste 4. On a trouvé 2 voyelles. Il nous reste 4. Quel est le troisième? Bravo! I! Quatrième. Bravo! O! On cherche le cinquième. Oui! U! Et maintenant, il nous reste le dernier. Allez, cherchez-le. Il est où? Bravo! Le Y. Et maintenant, on a terminé avec le panier des voyelles. On a trouvé toutes les lettres voyelles. On passe au panier des consonnes. Le reste sont des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. On a trouvé toutes les lettres consonnes. Et voilà, on vient de terminer le cours. J'espère que vous avez bien compris le cours. Alors, si vous avez des questions, des leçons à me proposer, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Sinon, je vous propose...